Et bonjour, internautatrices et internautateurs, ici Gaëlden pour les Jeux du Cygne. On retrouve notre partie XCOM 2, mode légendaire. Et notre objectif, c'est d'aller défoncer un commandant d'Advent. Il faut d'abord le trouver et bien entendu, il faut nettoyer tout ce qui est autour. Donc, on va partir à la chasse. Et on va essayer de ne pas faire de merde. Ça va pas être facile. Mais on va quand même essayer de le faire. Peut-être que Pispouce on Fire va nous y aider. Nos armes améliorées vont certainement nous y aider. On va aller par là. Notre nouveau. On en a marre d'en changer. Nouveau escarmouche, nouvel escarmoucheur aussi. Peut-être nous servir. Si je vais là et que jamais il y a quelqu'un qui peut nous voir, on se fait dicker. Allez, on va voir là-bas ce qui se passe. Forces ennemies repérées. Un Goliath et un petit robot. Hop. Normalement, ça passe par là. Allez, pisse-pousse. Go ici. Je vois les deux, très bien. Je vais faire vite. Bordeaux Barta. C'est dommage, j'aimerais bien pouvoir me mettre là, juste à ce pilier. Le scrogneugneux. C'est loin, mais je peux y arriver. Et là, je vais me contenter d'aller là. Elle est pas trop loin, merde. Je pense que je vais les aggro à la grenade. Je vais me rapprocher. Est-ce que je peux me rapprocher? Je vais me rapprocher là. Le Goliath, il est ici. Je pense pas qu'il me verra mieux. Et je serai en protection complète. Tac. Voilà. Comme ça va leur défoncer un peu leur armure. Ah ouais, carrément. Alors, 45%, c'est pas terrible ça. Je vais éviter la vindicte sur le Goliath. Alors lui, il est toujours fufu. Là, c'est pareil. On évite à tout prix le Goliath peut répliquer au corps à corps, donc je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'était un peu débile. Les anciens protègent bien leur bire. Ah oui, je peux faire une parade. Mais parfois c'est presque plus intéressant de se mettre en mode bien exposé. Est-ce que. Non, je peux pas le tuer. Je fais 3-4 et il a un d'armure de toute façon. Il faut que je fasse mes deux tirs. Alors, l'avantage c'est que ici, je suis à découvert. Enfin, je le chope à revers. Bien reçu. Je suis qu'à 67%, je suis loin. Ils m'ont vu.
Il lui reste un PV, forcément, sinon c'est pas drôle. Alors, il va falloir. Et là, je vois pas le CM. Ah, je peux grimper ici. Il me fait deux tirs. Oh putain! Est-ce que je peux. Le problème c'est que là, si je l'échappe à la grenade, je chope mon gars avec. Donc ça, on va éviter à tout prix. Je vais éviter de griller mon travail d'équipe tout de suite. Mais j'ai plus beaucoup d'options déjà. Putain, ils sont que deux, hein. Bordel! Mais Pispou est mal placé, c'est chiant. Est-ce que je peux le. Je peux utiliser un tir. Ouais. Putain, tu pouvais pas le réussir ce tir. Kono. Kono, Kono, Kono. Il est tellement mal placé, bordel. En plus, il a une grenade, donc à tous les coups. Ils ont tous les deux des grenades, donc je vais encore me faire une kill. C'est formidable. Sinon, alors je peux avoir un troisième coup. Mais là, ça veut dire que je tire sur le Goliath avec mon flingue. Ah, ou alors sinon. L'alternative, c'est que je me place par là, en hauteur. Je vais faire ça. Je vais faire un déplacement. Donc là, normalement, je peux plus utiliser mon fusil de tir. Ah, mais putain, mais quel con. Je voulais que Quack fît une action à mon sniper. Je suis trop un trou du cul. Si, ouais, non, c'est ça en fait. Bon, allez. Oh. Pardon pour l'expression un peu cavalière. Allez. C'est bien Quack. Là, c'est sûr, j'ai eu la cible. Bon. Tu réussis ton deuxième tir, hein, Kono? Je te jure. Hop. Moi, une petite parade. Ah. Nous captons un transport d'adresse dans l'approche. Et l'assassin, forcément. Donc, je me trouve avec un. Un timer. Et votre mort sera rapide. Oh putain, 4 tours avant l'arrivée du transport. Soyez très prudent. C'est l'assassin des anciens. Ça va être et elle chaud, arrive quoi. Droit sur la zone. Je vais mettre un terme à notre affaire. Ça va être chaud encore, bordel. J'ai que 4 tours pour aller le chercher, mais non! C'est pas autorisé ça, sérieux. Ok, j'y vais.
C'est 4 tours avant l'arrivée du transport. Location confirmed. Allez, il y a du monde. Non ? Si. Waouh ! Un Goliath de sectoïde ! Utcha ! Et je peux pas tirer tout de suite. Et lui, je peux. Oh là 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 là. U de lynx, 62%. Pisse-pousse, je crois en toi. Putain! Vous cherchez à punir les anciens pour votre. Pourquoi je peux pas utiliser Vindict? Quel drôle de conflit, dites-moi. Là, je peux que me mettre en vigilance. J'ai personne à porter. Je reste en observation. Il faut pas que je décolle trop parce que sinon je vais me faire grenader la tronche. Youhou. Là, normalement, je suis... 1, 2, 3... Normalement... Si leurs grenades ont la même portée que la mienne, ils ne peuvent pas me grenader les deux d'un coup. Mais... Entre la norme et la réalité... Boum. Allez, c'est déjà ça. Son armure tient le coup. Et voilà. Bah voilà, leur armure. Oh, qu'allez-vous faire lorsqu'ils ne pourront plus se. Allez, ça y est, j'ai déjà un mort. Putain. Ils font 5 points de dégâts avec leurs. Avec leur. Leur grenade et ça fait une portée de timbré, quoi. Sérieux. Allez, un petit CM. Non. Désorienté, ça. Oh, bah tiens. Bon. Et bah voilà. 37 points de vie de d'armure. Facile. Ne faites que retarder l'inévitable. Bientôt, j'aurai. Putain, mais il est déjà là, quoi. Qu'il me faut de ce soldat. Et sa vie ne vaudra plus rien. Donc aucune importance. Mais c'est pas possible. Ouais, exactement, nous voulions, t'as raison. Mais n'importe quoi, on est en vigilance. L'un de nos soldats est blessé. Il se retrouve vulnérable aux attaques de l'élu. Remettez-le sur pied au plus vite. Mais comment tu fais, quoi? Qu'est-ce que j'active? Pourquoi est-ce qu'il me met que j'active un truc? Quel enfer ce jeu, c'est pas possible. Les forces de l'occupation. Bah tiens. Ils ont rempli leurs devoirs envers les anciens, avec honneur. L'objectif est à portée. Bah tiens. Identité de la cible confirmée, c'est bien le général. Abattez-le avant qu'il ne s'échappe, c'est la seule chance que nous aurons. Mmh. Et là, j'ai personne à porter, tant qu'à faire. Ouais, j'ai l'élu qui se balade, mais de toute façon, je peux rien en faire, donc...
Ça va être self-service. Explosif à distance. Même là, je suis pas sûr d'arriver à le tuer. Trois, si j'ai une chance sur deux de le tuer, pour peu que je le touche. C'est n'importe quoi. Ouais, tu vas être super bien. Je respecte votre loyauté envers un allié dans le besoin. Vous mourrez avec les honneurs. Je suis obligé de me mettre en vigilance avec en étant sonné. Tu vas te mettre en parade, tu vas tirer les coups. Oh là. Ils n'accepteront aucune excuse, aucun échec. Ne les décevez pas. Ouais, mais t'en paras un comme ça, pas deux. Lui, il va te tuer. J'imagine que vous souffrez chaque fois que vous perdez une vie. Je suis pris pour cible. J'ai besoin d'un médicament là. Ça a une portée infinie ce truc. Eh bah ouais. Je me fais tirer dessus. Semble-t-il. Dois-je ramener votre soldat dans ma forteresse où je pourrais lui soutirer des informations? Ah, je suis obligé de me déplacer là. Putain, ça l'a fait bouger. Non, bon. Sérieux. Ça devrait pouvoir se faire. Tu vas t'en sortir. What? Ah ouais. Voilà, voilà, voilà. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 4 dont un élu, et moi, on est 3. Non, ils sont 5. 5 dont un élu, et 3 de mon côté. Faut que je fasse une évac. Je peux pas. Ah ouais. C'est débile. Il fallait que je me barre maintenant. Ouais, d'accord. En fait, je peux juste pas le faire là où il y a mes gars, quoi. Non. Je sais pas pourquoi il y a des zones où je peux et d'autres où je peux pas. Et j'ai terminé leur tour. Non, pisse pousse plus des... Mais Quack peut pas. Bon, écoute, désolé, Quack. Pour l'honneur, j'aurais pu tirer avant. Heading out. Just in time. Ah!
feu rentre à la base. Annulation confirmée. On ramène les survivants à la base. Ce n'est pas si simple de remplacer ces armes. Pas vrai. Une fois de comment plus. XCOM tente bon, j'en ai quand même un peu marre de me prendre des bâches les unes derrière les autres. Il y a un moment où le plaisir commence à s'amenuiser. Ouais, l'ennemi se retire dans les terres sauvages, je pense que ça va être mon cas. On a beau vouloir lutter. Je ne peux pas m'empêcher de me sentir responsable. Si seulement j'avais pu en faire plus pour nos hommes. Je veux dire, il y a un moment quand même où... il y a un moment où ça devient vraiment pas gérable. Ce genre de résultat affecte non seulement votre équipage, mais aussi la... Carence d'ingénieur, ouais, non mais carence de beaucoup de choses, coco. Il faudra faire mieux pour espérer mettre un terme à la menace extraterrestre. Je vais m'arrêter là. Est-ce que d'embuscade lors des missions secrètes, on a vu que les embuscades, c'était quand même un peu la mort. Je veux dire, j'ai le projet Avatar qui est quasiment complété. Alors j'ai la mission du site secret que je peux faire pour faire diminuer un peu, mais ça durera qu'un temps. Et surtout, en fait, le gros problème, il est là, quoi. C'est que j'arrive pas à progresser. J'arrive pas à... Je veux dire, j'ai des troupes qui sont quand même encore très, très basiques. Avec trois sergents seulement. Des missions que je perds les unes derrière les autres. J'arrive pas à conserver des liens de frères d'armes. Voilà, et puis tout le monde se fait défoncer la trouve, quoi. Et pendant ce temps, le problème, c'est que les Advent, eux, ils commencent à devenir intéressants, c'est ça. Pendant ce temps, Advent progresse. Donc, en fait, il y a vraiment le côté course contre la montre que je suis clairement en train de perdre. Parce que je me prends des claques les unes derrière les autres, quoi. Je sais plus si on peut avoir un historique des missions. Ça c'est... Non. Ouais, j'arrive absolument pas à avancer dans la mission principale. Là en plus, bon, je m'étais à moitié planté, quoi, mais je pensais que ça se passerait correctement. On voit que je galère sur un premier groupe où ils sont que deux. J'arrive à le terminer de justesse en cramant un certain nombre de cartouches. Et derrière ça, je me fais défoncer trois personnages sur cinq, quoi. En moins de temps qu'il faut pour le dire, quoi. Donc, je pense que c'est pas la peine de continuer, ça me gave un peu. J'aurais bien aimé aller au-delà, mais je vois bien que soit je suis pas suffisamment taillé pour, soit c'est vraiment trop dur. c'est pas du tout ça que je voulais faire. Voilà. Bon, ben tant pis. J'espère que quand même, j'ai eu l'impression qu'il y a eu un certain plaisir pris. Même moi, j'ai bien aimé que quand ça passe, ça va, c'est pas trop trop frustrant. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont très très frustrantes. Et ouais. Mais non. Mais... C'est vraiment un jeu difficile. C'est vraiment un jeu très très difficile. Et on a beau y mettre. Ouais, j'ai quand même. Je pense vraiment que je connais bien. Et ouais, j'ai échangé Zebus qui fait du. Qui en fait en live un peu. J'ai échangé un peu avec lui. Et lui aussi, il galère quand même méchamment. Quoi.
Bref, tant pis, j'aurais essayé. Le jeu est plus fort que moi. Peut-être que je réessayerai en difficulté moindre et avec un peu moins de frustration. Mais vraiment, le mode, la difficulté légendaire, c'est quand même vraiment pour les, plus forts que moi. Je fais des bisous. Je vous dis à bientôt sur une autre série ou autre chose, ce jeu-là ou un autre. Je vais voir. Allez, bye bye.